Et salut à tous et donc bienvenue pour ce 18ème épisode de Bioshock 1 en bonne compagnie. Alors là maintenant il faudra qu'on fasse attention au bruit de pas des protecteurs parce que on a le même bruit maintenant. Et on doit chercher d'autres. Merci monsieur, merci de nous avoir sauvés. Ok, donc déjà il y a une tourelle à lance-roquette à côté. Hein? J'ai porté un psychotechnique. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça pue ça. Trop tard. Putain, les gars. Oh, carrément. D'accord. Bon. Oh. Faut se calmer, lui. Ben voilà, c'est pas du tout droit, donc vite, 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 une coudée qu'il faut. Hop, celui-là. Alors, on va faire des virages. Parce qu'apparemment, on n'a pas le choix. Et j'ai pas d'autres coudées qui partent comme ça. J'ai que celui-là. Et je le finis comment, du coup? Non, il y a un moment où je veux bien, mais faut arrêter là! Ah non, ça y est. Nouveau fortifié, artisan prolifique. Alors, on va acheter ça. Ah, il y a carrément des niveaux 3. Arc électrique niveau 320. Et tout le reste, je m'en fous. Donc du coup, c'est de là, je les avais pas achetés, et pourtant j'y avais droit quand j'étais en trouble plasmidique, on va dire. J'ai déjà un truc de soin, mais non. Il est un peu cassé. Bon, n'empêche que j'ai... contrôle de plus énorme, c'est déjà... Depuis que Ryan a pris le contrôle, c'est là qu'ils construisent leurs horreurs. Golem, l'île de Frankenstein. Trouve les éléments de l'armée.
là qu'il faut que j'aille. Ah, c'est pas mieux quand c'est aussi long quand même, non? Ça commence à souffler là, hein? Là, on a le temps là. Oula, 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 oula. Ah non, mais c'est toi, c'est pareil. Oh. Quoi qui m'a tiré comme ça dessus là? Je vais voir que je vais me faire bloquer pareil, voilà. Et j'ai pas le bon coudé. Je vais avoir le bon coup dès que je vais le faire, ben ça va pas être par là qu'il faudra aller. Voilà, ce que j'avais dit. Oh, mais toutes ces alarmes, quoi, sérieux. Sans déconner, quoi. Je pense qu'on peut pas en avoir plus de deux à la fois. C'est pour ça que les autres, je peux plus les fouiller, je peux pas les. Je suis pas censé avoir récupéré un journal. Si tu on t'a bien eu, sale monstre. Ouais. Moi je t'ai bien eu aussi, tiens. Alors. Oh, il m'a calmé! Normalement. Ah non, je peux encore prendre des photos. Ah, parce que peut-être que c'est pas un rosé d'élite. Je sais pas. Je leur fais trop de dégâts en fait. Impressionnant que juste un petit cran de difficulté en moins et comme c'est beaucoup plus facile d'un coup. Ok, c'est que des coudées, mais voilà, bon, les coudées ça se gère, quoi. D'accord, ouais, c'est que des coudées, putain merde. Je fais comment là? C'est celle-là là qui m'emmerde là. J'allais me faire bloquer dès le début. J'en étais sûr. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, donc je vois même pas pourquoi je suis surpris. C'est tout le temps la même histoire.
lanterne de protecteur. Par Neptune, les bottes des protecteurs doivent être livrées ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail? Donc du coup là on sait que c'est ici qu'il fallait aller à la bibliothèque pour un... pour récupérer les bottes. Sauf que... j'ai pas le bon coudet. Et voilà. Encore une fois. La difficulté du machin, je pouvais pas le finir, et franchement à part grand chose je peux pas le finir, incroyable. Du bousin quand même. Putain, mais qu'est-ce que je fous avec l'anti-personnel encore, bordel. Je crois que je me suis tué avec mon propre capot piégé en fait. Et où tu vas comme ça? Tu dois devenir un protecteur pour faire sortir les petites sœurs. Ouais, mais ça j'ai bien compris, tu patientes deux secondes ma grande. Feu. Je viens de crever, j'ai le droit non? Punaise. Pirate génétique. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez une grosse quantité de santé et de Eve. Ça va faire bizarre de devoir jouer avec ça. Dans la flotte pour s'éteindre. C'est énorme. Mais c'est énorme. Je veux dire, c'est pas dans tous les jeux quoi qu'on peut voir ça. Et... par contre, j'irai pas non à trouver une petite boutique là. Ah, mais y'a pas les armures.
arrêter les carreaux piégés. Mon ami allemande, ami par défaut, hein, on va dire. Bon, c'est pas très jouasse tout ce qu'elle a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ah, mais voilà une petite boutique. Pompen est un salopard doublé d'un monstre, et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Il faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure, sinon ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. Pas du tout à quoi ça sert de prendre le feu comme ça. Hein. Alors, piraton. Bienvenue à la part en doit être. Ah, revenez quand, mieux. Vous revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. Oula, je sens que ça va être la merde. Ah, fais chier, au moment où je capte, en fait, c'était le second. Eh ouais, mais je suis trop con aussi, putain, sérieux. Heureusement que je ralentis à mort hein, parce qu'il va hyper vite en fait hein. Ah,
pas du tout à quoi ça sert, c'est une réelle utilité ou quoi à faire tout ça. C'est quoi ce BOOM? Pourquoi on s'enfuit toujours? Bah, j'ai envie de te dire, t'as l'air d'être très amical, mon grand. Hein, comment dire, j'ai envie d'être copain avec toi. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville, mais pas Tushong. Tushong avait de l'opium premier choix. Cette guerre aussi est terrible, mais pas pour Tushong. Tout le monde a peur et a besoin d'Adam. Les petites sœurs n'en fournissent pas assez, mais la guerre fait beaucoup de morts. Tushong s'est recyclé l'Adam des cadavres, mais il ne peut pas laisser les petites sœurs sans protection. Tushong doit réfléchir. C'est normal qu'il parle de lui à la troisième personne là. Tout va bien? Ça va l'ego? Tranquille? Donc, je disais, qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah oui, donc j'ai encore trois petites sœurs à sauver, dis donc. De me tuer et de détruire ma ville. M'interroger, ce serait me rendre. Aussi ne me poserai-je aucune question. Le protecteur sent vraiment très, très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. De Ryan. Quel bras. Fine. Putain, mais il en reste encore deux autres à trouver et je vois pas du tout quoi peut être. Enfin, déjà celui-là, je sais même pas qu'il y en avait. Qu'il y en avait une là. Merci, monsieur. Merci. C'est quoi, insuffisant pour cette entreprise?
Donc. C'est vraiment labyrinthique, hein. En plus avec cette vue là qui nous resserre encore plus le champ de vision, c'est vraiment pas facile. Que le niveau 2, putain, c'est énorme. Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toute cette puanteur. Pourquoi les petites sœurs sont-elles attirées par l'odeur de ces phéromones? Voilà qui échappe totalement à ma compréhension. Allez, couchez direct, allez hop. Je sais pourquoi il faut des enfants, mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Les effets de la danse sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont remplacées par de nouvelles souches à l'instant même où elles sont endommagées. Ces enfants sont quasi invulnérables. Ah, si nous pouvions faire la même chose avec un adulte. Il y aurait un gros marché pour un homme invulnérable. Mais bon. Ouais, c'est quand même un homme invulnérable, mais qui est complètement zombifié, quoi. Hein. Alors, par où qu'on peut descendre par là? Ah.
fait de la peine. Je crois qu'il y a un souci là-dedans, non? Il nous reste déjà plus que 2 minutes 30. Ça passe à une vitesse. À trouver, donc j'imagine que ça va être là où c'est qu'elle se tient entre elles. Donc, est-ce que j'ai tout fini ici? Non, il me reste ce petit coin là à voir. Et après, je peux me barrer. C'est la peine pour ces pauvres petits, bordel! Ouais, donc toutes les robes, ouais, pour qu'elles soient toutes les mêmes, ouais. Voilà qui est fait. Donc, alors, on a tout fouillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Hop là, la tourelle. C'est la tourelle ici. C'est qu'il y a certainement quelque chose à cacher. Donc, piratons.
essayons de récupérer ce qu'il y a à cacher. Peut-être par contre que je ne devrais pas... Ah mais bon, tu sais, il y a un moment... Attends, c'est bon, j'ai l'air. De toute façon, comme ça, ça ira très bien aussi. Allez, ça fait 2 minutes que c'est fini. On va finir de pirater notre elle. Finalement, pas grand chose d'intéressant à récupérer. Ouais, putain, c'est déjà fait, ouais. Donc là, tu imagines qu'il est au-dessus, c'est qu'il va être en train de se marrer. Même pas. Non, il n'empêche que ici, c'est bon, c'est tout oublié, c'est tout réglé. En tout cas, c'est la fin de l'épisode, donc j'espère que ça vous aura bien plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, et amusez-vous bien.